En haut de l'escalier, au peuple syrien. Nous nous serions retrouvés en haut de l'escalier, moi, essoufflé par l'effort et le cœur battant, vous, paisible et souriant. J'aurais posé une main amicale sur votre épaule. Comme deux vieux amis, nous aurions devisé paisiblement, échangé quelques banalités, sachant que l'essentiel est ailleurs, toujours ailleurs. J'aurais déploré la pluie dont dégorge la terre, vous auriez regretté l'hiver qui ne vient pas. J'aurais pris quelques nouvelles de votre femme et compati à l'annonce de votre séparation dont vous m'auriez dit n'être pas affecté. Vous m'auriez demandé des nouvelles de mon canari auquel vous avez appris à chanter. Je vous aurais parlé de mon récent changement de travail qui n'eut aucune conséquence sur le rythme de ma vie quotidienne. Après un court silence, comme cherchant dans votre mémoire une dernière information dont vous auriez comme moi préparé la liste avant nos retrouvailles afin de ne rien omettre de l'inessentiel, vous m'auriez informé de la mort soudaine d'une connaissance commune dont nous ne fûmes ni vous ni moi jamais vraiment proches et qui, cela nous faisait rire, jalousait notre amitié. Ces quelques banalités aurait été si apaisante à nos oreilles. Puis notre conversation aurait pris un tour autrement plus sérieux, pour ne pas dire plus grave. Mais qu'importe ce que nous aurions dit. Vous êtes là, en haut des marches, la nudité grotesque, exposée au regard des passants, la tête embrouillée de tout ce que vous ne vivrez jamais plus. Vous êtes là et pourtant absent. Déjà, la transparence vous envahit, grignote vos maigres membres, votre ventre vide, votre pauvre poitrine. Vous ne serez bientôt plus que l'ombre de vous-même. Non, cela est trop encore. Bientôt, vous ne serez plus, et j'y serai pour quelque chose.